Frédéric Beck BD, vous venez de sortir Mémoire d'un jeune homme dérangé. Vous sortez alors, est-ce que vous vous amusez à Paris? Est-ce que... Bah, je crois qu'il ne faut pas sortir si c'est pour se faire chier, quoi. Oui. Donc, l'idée, c'est quand même que le seul moyen de s'amuser, c'est effectivement d'avoir un état d'esprit fêtard. Oui. C'est pour ça que j'aime pas l'expression chroniqueur mondain, parce que oui. Ça fait un peu parasite qui veut se rehausser au niveau des stars, alors que bon... J'aime bien soit les endroits hyper, comment dire, copains, du genre Castel. Ouais. Bon. C'est hyper copain, Castel. Non, moi, c'est... non, mais je veux dire, les meilleurs potes de Castel, c'est pas la Duchesse de machin truc, hein. C'est Volinsky, c'est Topor, c'est oui, Kersauzon, c'est quand même pas tout le monde. Ouais, mais enfin, c'est des déconneurs, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est, d'accord. Voilà. Bon. À part ça, je crois qu'il faut vraiment un esprit de contradiction. C'est-à-dire qu'il faut aller dans un endroit branché, il faut être super chic. Oui. Et dans un endroit super chic, il faut être plutôt crade. Voilà, ça, c'est l'esprit de contradiction, c'est important.